Bonsoir, aujourd'hui suite logique d'une vidéo précédente, est-ce qu'il faut travailler avant de rentrer en prépa? Ben là, est-ce qu'il faut travailler avant de rentrer en école d'ingénieur? Ben non! Non! Jamais! Vous allez tout reprendre en début d'école d'ingénieur. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont stressés, enfin moins qu'avant la prépa, mais les gens, vous avez eu votre école, vous avez réussi votre concours. Là, il vous reste, surtout si vous êtes en prépa, il vous reste quelques semaines. Profitez. Ne faites rien. Justement, vous avez une chose à faire, rien. Vraiment, je peux rien dire d'autre. La vidéo, elle va pas durer 5 minutes. Faites rien. Si vous pouvez vous payer des vacances, si vous avez la chance de vous pouvez se payer ce luxe, allez-y, partez. Bon, pas trop, parce que du coup, le coronavirus, c'est pas ouf. Faites attention quand même. Partez en vacances, relâchez votre cerveau, faites tout ce que vous voulez. En respectant les règles, parce que c'est voilà, faut quand même être intelligent et ne pas oublier qu'il y a une pandémie internationale qui est en cours. Voilà, faut juste pas l'oublier. Mais sinon, voilà, félicitations. C'est surtout ça. Juste une chose à vous dire. Félicitations. Vous ressentez le bonheur de rien faire, mais de façon légale, parce que vous allez arriver en école d'ingénieur que j'ai ressenti l'année dernière. Vous allez voir, vous allez rentrer en école d'ingénieur, tout simplement. Vous allez avoir des nouveaux cours. Il y a des choses que vous allez reprendre parce que vous le connaissez déjà, d'autres choses que vous allez découvrir. Et voilà, vous allez profiter de un peu tout ce que j'ai pu vous dire, vous allez avoir en école d'ingénieur. Et voilà, juste, donc cette vidéo, elle se résume pas en oui, il faut travailler, non, c'est juste bravo à la rentrée. Amusez-vous et ne faites rien. Surtout ne faites rien. Allez, ciao, bravo.